Seigneur, sur cette terre sainte, tu t'es fait proche des hommes. Mais depuis des décennies, particulièrement ces dernières semaines, les collines où tu t'es révélé, cette vallée du Jourdain où tu es né fragile et tendre comme un enfant, cette terre est imbibée du sang et des larmes des victimes de la haine et de la vengeance. Seigneur, en ce temps de l'Avent, nous te prions pour la paix. Tu nous as promis la paix en héritage. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Rends possible, Seigneur, le dialogue, la concorde et la fraternité entre Juifs et Arabes. Que la sagesse et le partage président au festin que tu veux dresser pour ton peuple dans le pays d'Abraham. Est-il possible que la réconciliation survienne avant Noël? Est-ce un rêve fou? Cette espérance, c'est notre folie dans la foi. Car tu peux tout, Seigneur. Tu peux illuminer les cœurs et te faire proche de chacun pour lui murmurer « Shalom, salam, la paix soit avec toi ». Chers amis, puisque nous entrons dans le temps béni de l'Avent, nous avons décidé de nous rapprocher du cœur de notre monde déchiré. Nous sommes montés à Jérusalem pour prier, pour redire avec le psaume 122 « Paix à ceux qui aiment Jérusalem ». Ce sont donc les dominicains de l'école biblique de Jérusalem qui vont nous accompagner par leur méditation jusqu'à Noël. Les frères Jean-Jacques, Olivier, Benoît, Olivier Thomas et Jean-Baptiste vont nous faire découvrir comment Dieu est proche. Car Dieu s'est fait proche de nous pour nous apprendre à être proches les uns des autres. Les dominicains du couvent de Bordeaux nous aideront à prier tous les matins. Une famille nous redonnera la joie par ses chants. Théodome nous aidera à comprendre pourquoi Dieu s'est fait homme en terre sainte. Et chaque jour, l'un de vous nous dira comment Dieu s'est fait proche de lui. Oui, malgré la guerre, malgré la peur, malgré nos soucis, nous mettons notre espérance en Dieu. Le Seigneur est proche, affirme saint Paul. Il vient nous consoler, nous encourager. Vivons ensemble cet Avent dans l'espérance, car oui, le Seigneur est proche.